Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur F1 2014, saison 2016. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode, le Grand Prix de Malaisie. Et j'ai enfin toutes les livrées à jour pour la saison 2016, enfin les livrées provisoires, hein, parce que certaines équipes n'ont pas leur livrée encore officielle. C'est le cas pour Renault et Toro Rosso. Mais j'ai toutes les livrées telles qu'elles sont pour les essais hivernaux. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il y a les trois premières journées des essais qui se sont déroulées. Donc on va pouvoir faire un petit débrief de ce qui s'est passé pendant la vidéo. Et puis voilà, donc on va se lancer pour la qualif, et j'ai zappé de changer la difficulté, et merde! Treizième ! Oh là, ouais, bon, on va pas chercher. Hein. Bon, c'est pas étonnant, j'ai oublié de changer la difficulté. L'habitude de F1 2015, où normalement tu choisis la difficulté juste avant de démarrer la session. Donc du coup, je pense que je vais quitter la session pour remettre la difficulté en expert, en espérant que ça aille bien. Bon, au moins 13ème, ça s'est déjà mieux passé qu'en Australie, c'est déjà ça. C'est pas parfait, mais bon. Et puis au moins, j'ai cru voir que j'étais à côté des Toro Rosso, donc comme ça, vous allez pouvoir voir la livrée des Toro Rosso, qui est une livrée provisoire, donc, où elles sont bleu nuit, avec absolument aucun sponsor.
Je pense qu'en fait, ils ont fait ça parce que je pense que enfin, c'est mon hypothèse, mais la livrée des Toro Rosso va changer cette saison. Vu que Red Bull a pris a une livrée qui est semblable, donc avec le logo Red Bull sur le côté et le taureau dessiné sur le dessus du capot moteur, je pense que Toro Rosso va un peu changer sa livrée. Parce que sinon, ça va vraiment faire deux livrées très semblables. Donc du coup, je me reviens là, je reviens carrière, paramètres, pour que je puisse mettre en légende. Mais oui, donc Toro Rosso, du coup, devrait... Ça se trouve, ils vont pas changer, mais bon. Souvent, quand il y a une livrée... différente pendant les essais libres, enfin les essais hivernaux, c'est souvent à cause d'un sponsor. Quand une équipe est en attente d'un sponsor principal, eh ben on met une livrée temporaire, provisoire, et en début de saison, bah voilà, on a la vraie livrée une fois que le contrat avec le sponsor a été choisi. Du coup, c'est bon, j'ai changé la difficulté, je relance. Et du coup, donc on va faire un premier débrief, donc des trois premières journées d'essai. Et ce que je peux dire, le premier truc qui est marquant, c'est que la fiabilité est vraiment exceptionnelle. Cette saison, la fiabilité des moteurs... Merde, j'ai oublié qu'il pleuvait. Oh, ça va être passionnant. Bon, la fiabilité des moteurs est absolument incroyable. Le moteur Mercedes... À nouveau, d'une fiabilité remarquable, l'équipe Mercedes a tourné un nombre incalculable de tours. Je pense que là, je crois qu'au bout de 3 jours, ils doivent avoir atteint les 500 tours effectués. On n'a pas, j'ai pas les chiffres officiels au bout des 3 jours, mais au bout des 2 premières journées, Mercedes avait bouclé 328 tours. La deuxième équipe qui avait le plus tourné, c'était Williams. Et ils ont fait 214 tours. Donc ça veut dire que Mercedes a fait 114 tours de plus que la deuxième équipe ayant le plus tourné. C'est monstrueux. Monstrueux comme écart. Donc sachant que Mercedes en garde sous le pied et que tous les relais qu'ils ont fait, je crois, étaient en pneus médium. Je crois qu'ils n'ont jamais testé des pneus plus performants, on va dire, que les pneus médium. Donc... Cette année, je pense clairement que la Mercedes est encore intouchable. Enfin, elle part encore favorite très largement. Maintenant, alors la Ferrari a l'air quand même d'être bien née. Le moteur a l'air très bon. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis. Enfin, il y a eu un souci sur le mercredi matin apparemment avec le système d'injection d'essence, ce qui fait qu'ils ont perdu bah, la matinée du mercredi à réparer le problème. Donc ça fait une demi-journée de perdu, c'est un peu dommage, mais bon, vaut mieux que ça arrive durant les essais que pendant la course. Je monte la Toro Rosso, je me concentre un petit peu parce que ça va être la course. Putain que c'est lent, ça patine. Oh là 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 là, c'est chiant. Là, je remonte la Toro Rosso. Oh putain, on voit rien. On ne voit rien, on ne voit rien. Oh là là. Oh là, oh c'est clair. Je suis en train de... D'accord, j'ai passé tout le monde. C'est génial. Je suis déjà sixième. Bon, ça va. Ça va, j'ai... j'ai déjà gagné quoi, 7 places, je crois. Faire gaffe, Hülkenberg. Wow, Magnussen. Oh la vache. Oh, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Comment j'ai bouffé Rosberg. C'était très joli. Bon. Du coup, je vais revenir sur où j'en étais. Donc, ouais, la Mercedes est hyper fiable. La Ferrari, alors, elle est rapide. Pour l'instant, c'est elle qui a claqué le meilleur tour en global hein, sur les 3 premières journées. Un temps qui a été fait en pneu ultra tendre. Donc, le nouveau pneu, le nouveau composite. Qui a été apporté par Pirelli pour la saison 2016, donc il y a un pneu à flanc violet. Et donc, un temps en 1,22 et quelques. Bon, ça parle pas vraiment comme ça. Hein.
C'est plus rapide que la pole qui a été fait pendant le Grand Prix d'Espagne 2015, mais il faut savoir que le meilleur tour des essais hivernaux 2015 était plus rapide que la pole du Grand Prix. Donc bon, voilà, c'est pas comparable. Ce qu'on peut dire, c'est que la Mercedes est hyper fiable, la Ferrari tourne pas trop mal, mais je sais pas, je suis un peu sceptique parce que je trouve qu'elle a pas beaucoup tourné. La Toro Rosso a énormément tourné, surtout le mercredi. Ça a été la deuxième voiture qui a tourné le plus. Donc, mais bon, elle roule avec le moteur 2015. Mais bon, elle a l'air pas mal née, mais elle me fait un peu peur parce que c'est un moteur 2015. Et j'ai l'impression que Mercedes et Ferrari surtout ont fait des gros progrès avec leur moteur 2016. Et que du coup, Toro Rosso risque d'être un peu à la traîne. Parce que le châssis ne suffira pas à rattraper cet écart-là. Sauber tourne bien, mais ils ont la voiture 2015, donc bah voilà, hein, 2015. Moteur, je sais pas s'ils ont le moteur 2016, je sais pas du tout. Donc bon, sachant que Sauber apporte normalement, bah, amènera sa voiture 2016 pour la seconde séance d'essai, qui se déroulera, bah, ça doit être, alors soit c'est ça doit être la semaine prochaine. Donc voilà. Force India, Williams, qui sont tous les deux équipés de moteurs Mercedes, donc n'ont eu aucun problème mécanique, donc ça c'est évident. Mais apparemment, sont plutôt fiables, pas mal tournés, surtout Force India, je trouve. Je trouve que Force India a plus tourné que... Enfin, même si c'est pas vrai, hein, Williams a plus tourné que Force India, en tout cas sur les deux premiers jours. Mais je trouve que la Force India donne une bonne impression. Ça a l'air d'être une bonne monoplace. Et je pense que Red Bull va faire une moins bonne saison que l'année dernière. Et il y a peut-être moyen que Force India récupère la quatrième place au constructeur. Parce que de toute façon, Renault sera aux fraises. Red Bull risque de l'être à cause du moteur. Parce qu'apparemment, le moteur Renault a pas l'air d'avoir tant progressé que ça, malheureusement. C'est débutant. Sauber n'a pas les moyens. Manor non plus n'a pas les moyens. Toro Rosso a un moteur 2015, donc du coup, ouais, il y a peut-être moyen que Force India soit la quatrième force du championnat cette saison. Ce qui serait franchement bien et mérité pour les deux pilotes, pour Hülkenberg et Perez. Qu'est-ce que je pensais de votre... J'essaie de me souvenir un peu. Bah justement, Red Bull. Alors Red Bull... a beaucoup tourné, donc ça c'est bien. De toute façon, toutes les équipes, à peu près, sauf deux, ont beaucoup tourné. Enfin non, sauf trois, réellement, trois. Red Bull a bien tourné. Alors par contre, j'ai une petite hypothèse. C'est ma façon de voir, hein. Donc j'ai peut-être totalement faux, mais c'est ma façon de voir. Je pense que la Red Bull n'est pas bonne. Quand je dis pas bonne, c'est pas... Enfin, c'est par rapport aux Mercedes et Ferrari. Parce que sur la journée du mardi, donc, Vettel a donc fait le meilleur tour pour l'instant, provisoire, en pneu ultra tendre. Et Ricciardo, donc, qui a tourné mardi, a fait des tours également avec ses pneus ultra tendres, mais aussi avec les super tendres. Et dans les deux cas, la Red Bull, elle a tourné en moyenne 8 dixièmes plus lent que la Ferrari. Alors, c'est vrai que on ne sait pas du tout... Si Red Bull a tourné avec plus d'essence que Ferrari et inversement, donc on ne sait pas les quantités d'essence qui ont été embarquées, et du coup c'est pour ça que je dis que c'est une hypothèse, parce que ça se trouve la Red Bull elle a tourné 8 dixièmes plus lent parce qu'elle avait plus d'essence, mais bon, pour que ça arrive avec avec deux types de gomme, espèce d'enfoiré Raikkonen, enfoiré. Non, Rosberg, ne le suis pas. Ne le suis pas. Mais c'est pas possible. Oh, intérieur. Allez. je suis un petit salaud. Je vais les bloquer jusqu'à la fin de la course. Ça va être merveilleux. Du coup, j'en étais où? Oui, Red Bull. Je sais pas. Non, recommence pas. Reste dehors. Reste dehors. Voilà. Faudra voir en Australie. Faudra voir en Australie, réellement, c'est avec les premiers essais libres en Australie qu'on saura réellement quelle est la hiérarchie. Voilà.
Je crois que j'ai parlé un peu de tout le monde. Alors, donc, il me reste les trois équipes qui ont moins tourné, c'est-à-dire Manor, As et Renault. Je vais commencer par Manor. Alors, la Manor, elle a l'air bien née. Bon, faut savoir quand même qu'en 2015, ils roulaient avec une Manor qui datait de 2014 et un moteur Ferrari qui devait dater de 2014 aussi. Oui, c'est ça. Et ils avaient, en gros, le package 2014 en 2015. Ce qui fait que la Manor était largement plus lent que les autres. Et du coup, cette saison, ils ont développé une nouvelle voiture. Ils ont le moteur Mercedes de 2016, mais ils ont également des éléments partagés avec Williams. Et donc du coup, la Manor, bah, elle a l'air très correcte. Elle est déjà bien plus rapide que sa prédécesseuse, que sa grande sœur. Puisque je crois que la Manor a déjà fait un tour qui doit être 5 secondes plus rapide que le temps en qualif de la Manor de 2015. Rosberg, il me saoule derrière. Essaye de me dépasser, mais je veux pas. Donc la Manor, ouais, pas mal. Par contre, tout de suite, une remarque que j'ai à faire, c'est que je pense que Wehrlein est bien meilleur que Arianto. Bon, Wehrlein a fait les deux premières journées. Arianto n'a fait que le mercredi. Sachant que pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe le jeudi, puisque je pense à un jour avant. Rosberg est chiant. Il est à l'intérieur. Il veut pas. Voilà, merci. Wehrlein a fait des bonnes performances, franchement. Parce que c'était pour les deux, c'est leur première saison, c'est leur premier tour dans la voiture. Et il me laisse une bien meilleure impression. Arianto, j'ai peur que ce soit un pilote payant, réellement. Et qu'il soit pas si performant que ça. D'ailleurs, c'est le premier à avoir causé un drapeau rouge pour une erreur de pilotage. Il a fait un tête à queue. Il s'est foutu dans le bac à gravier. Donc, bon. Voilà. On va attendre de voir, hein, mais pour l'instant, Wehrlein me donne une bien meilleure impression. Donc, ça, c'est pour Manor. D'ailleurs, la Manor, niveau couleur, ça va. Sur les premières images, j'étais un peu déçu. Puis finalement, je trouve que c'est une monoplace qui est assez jolie. Donc, voilà. Assez fin. Alors eux, ils roulent pas beaucoup, mais ça s'explique parce que c'est une nouvelle équipe, donc ils ont un boulot qui est un peu différent des autres équipes, parce que eux, il faut, on va dire, faut tout commencer. Ils peuvent pas partir d'une base solide et puis faire des essais. Eux, faut qu'ils programment tout. Donc du coup, bah voilà, ça explique que ils tournent pas beaucoup parce que c'est énormément de tours de formation, c'est-à-dire on fait un tour. On sort des stands, on fait un tour, on rentre tout de suite, on fait même pas un tour chronométré pour paramétrer bah, tout ce qui est en rapport avec la voiture. Par contre, alors le truc à noter, c'est que pendant la première journée, lundi, l'aileron avant de la Haas a cassé dans la ligne droite des stands à une vitesse d'à peu près 320 km/h, donc l'aileron avant s'est brisé, tout simplement. Apparemment, il y avait une pièce qui n'était pas assez solide et donc qui s'est détruite et du coup bah, l'aileron est parti avec. Donc c'est un peu dommage, c'est des erreurs de jeunesse. As s'est quand même bien rattrapé sur les deux journées après. Donc la voiture a l'air quand même bien née, en même temps on leur demande quand même qu'ils fassent ça, hein, sachant qu'ils ont quand même énormément de points communs avec Ferrari. Hein, ils ont piqué plein de trucs, ils ont le moteur, mais ils ont aussi. Je sais pas s'ils ont pas la boîte de vitesse aussi. Enfin, tout ce qu'ils ont pu piquer chez Ferrari, tout ce qui peut être pris en commun avec Ferrari, ils l'ont pris. Donc ils ont déjà une base très solide. Donc la voiture a l'air bien née. Maintenant, où est-ce qu'elle va se placer dans la hiérarchie, c'est impossible à dire pour l'instant. C'est vraiment impossible. Par contre, celle où c'est possible de dire quelque chose, c'est Renault. La Renault, alors, sur la journée du mercredi, elle a bien tourné. Magnussen a fait plus de tours sur la journée du mercredi que Palmer sur le lundi et le mardi cumulé. Donc déjà, c'est bien. Ça me gratte le nez. Ça me gratte le nez, ça fait pas idée. Ça fait du bien. Yeah. Voilà. Du coup, j'ai complètement perdu mon fil. Renault, oui. Le truc, c'est... Alors... La Renault, en gros, c'est la Lotus de 2015. Voilà.
C'est juste qu'ils ont changé un peu le compartiment moteur parce que le moteur Renault n'est pas le moteur Mercedes et donc ça rentrait pas. Donc ils ont dû changer un peu ça. Mais en gros, la voiture, c'est la Lotus de 2015. Donc il faut déjà pas attendre grand chose parce que la Lotus, quand elle était dans les mains de Pastor Maldonado, elle a pas fait des performances qui étaient exceptionnelles. Et je pense que Palmer doit avoir à peu près, doit être à un niveau comparable à Maldonado. Magnussen, je pense qu'il est un peu meilleur, mais je suis pas sûr qu'il soit au niveau de Grosjean. Maintenant, il a une saison pour me prouver le contraire et j'en serais ravi. Donc, la Renault me fait un peu peur. Je les vois quand même très très mal marquer des points cette saison, en fait. Je pense que Renault va faire une saison un peu à la McLaren Honda, avec une fiabilité un peu meilleure. Je le souhaite vivement pour eux qu'ils aient une fiabilité qui soit meilleure. Mais sinon, voilà, je pense que ça risque d'être un peu comparable à ce qu'a vécu McLaren. Est-ce que j'ai parlé de McLaren? Je crois pas. McLaren, je fais juste un point vite fait. McLaren, fiabilité, magnifique. Magnifique. Quasiment aucun problème. Il y en a eu. Ils ont eu des problèmes quand même sur ces trois premières journées. Mais sinon, comparé à l'année dernière, c'est le jour et la nuit. La voiture a l'air fiable. De toute façon, c'est le seul résultat qu'on peut tirer des essais hivernaux, c'est de savoir qui est fiable et qui ne l'est pas. On peut pas savoir qui est rapide et qui est lent, parce que tout le monde fonctionne avec des pneus différents, des quantités d'essence différentes, ne fait pas les mêmes tests, donc du coup c'est incomparable. Par contre, le seul point qu'on peut voir, c'est la fiabilité. Et là-dessus, la McLaren est au niveau des autres. Et ça, déjà, c'est très bien. C'est très très bien. Donc voilà. Du coup, il va falloir que je fasse mon arrêt au stand à la fin de la ligne. Et puis, bah, du coup, je vais profiter. Après l'arrêt au stand, je vais parler des qualifs. Parce que les qualifications ont été modifiées pour 2017, sûr. Peut-être pour 2016. Je crois pas que ce soit encore fait pour 2016. Donc, du coup, je rentre au stand. Rosberg s'est pas arrêté. Je crois que c'est Hülkenberg qui doit être derrière moi. Oui, c'est ça, c'est Hülkenberg. Hop. 3 secondes 8. Je crois que j'ai été gêné par la Toro Rosso. C'est dommage. C'est pas trop grave, mais bon. Et on est 9e. On dirait que ça va pas bouger. Non, c'est bon, 9e. Il y a la Sauber qui est en train de se ramener. C'est Gutiérrez qui est chez Sauber encore. Oui, il est pas chez As. Bah oui, c'est pas les modes. Hein. Oui, ça faut que j'explique vite fait. Juste, c'est pas un mode. Enfin, j'ai pas installé un mode 2016 sur F1 2014. J'ai juste téléchargé les livrets 2016 et j'ai remplacé les livrets du jeu par les livrets 2016. Donc en fait, c'est pour ça que. On a Kvyat qui est encore chez Toro Rosso, Gutiérrez qui est encore chez Sauber, Vettel qui est encore chez Red Bull, etc. Il n'y a pas encore de mode réellement de 2016 qui ont été créés. Il y en a un début qui a été fait. Où en fait, donc on a Grosjean chez Haas, Verlaine chez Manor, mais enfin voilà, le mode n'était pas complet, donc j'ai préféré ne pas l'installer tout de suite. Donc voilà, pour l'instant, ça explique pourquoi les pilotes sont pas encore dans leur bonne écurie. Du coup, les qualifs, oui, les qualifs, parce que les qualifs ont été modifiés. Voilà, il y a une réunion à Genève qui s'est tenue donc mardi, qui voulait discuter de plusieurs points pour changer le week-end en Formule 1. Apparemment, les idées qui ont été discutées, maintenant. On n'est pas trop sûr de tout. Il y avait l'idée des grilles inversées, donc façon GP2. Il y avait le point pour la pole et un changement de format pour les qualifs. Et ça, par contre, ça a été adopté. Donc normalement, ça arrive pour 2017 sur, peut-être pour 2016. Et en fait, on est sur un format éliminatoire, comme finalement ce qu'on a là, mais en un peu plus dynamique. Ce qui fait qu'en fait, ce format là va obliger un peu tous les pilotes à rouler, si vous voulez, de façon va les forcer à rouler tout le temps pendant la qualif.
Ils vont pas juste faire un tour et rentrer au stand. Enfin, ce sera probablement toujours le cas en Q1 pour les meilleures équipes. Du genre, je pense, Mercedes, je pense qu'ils auront besoin de faire qu'un seul tour en Q1 et ils seront, je pense, qualifiés. Mais bon. Sinon, pour les autres, ça devrait amener un peu plus de bagarre. Donc en fait, le système, alors il est compliqué et pas compliqué. Je vais essayer de faire simple. Donc la Q1, on part sur une séance de 16 minutes. Au bout des 7 premières minutes, donc au bout de 7 minutes plutôt, le 22e est éliminé. Donc celui qui a fait le 22e temps est éliminé. Et ensuite, toutes les 90 secondes jusqu'à la fin des 16 minutes, on a le dernier chrono qui est éliminé. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au bout de 7 minutes, on a le 22e, 90 secondes plus tard le 21e, 90 secondes plus tard le 20e, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 16 minutes soient terminées et que la Q1 soit finie. Donc ce qui veut dire que il va y avoir de la bagarre tout le temps pour essayer de faire la meilleure position possible et essayer de ne pas se faire éliminer. Au bout des 16 minutes et de la Q1 terminée, il reste 15 pilotes, donc ces 15 pilotes vont en Q2. La Q2 va durer 15 minutes. Après les 6 premières minutes, on élimine le 15e. Et à nouveau, on reprocède de la même manière, c'est-à-dire toutes les 90 secondes, on élimine le dernier. Donc 14e, 13e, 12e. Et au bout de la Q2, il reste 8 pilotes qui vont aller en Q3. Sachant que je rappelle qu'en Q3, Pirelli va fournir les pneus ultra tendres. Donc les pneus violets, qui seront obligatoires d'ailleurs en Q3. Et donc là, la Q3 dure 14 minutes. Et au bout de 5 minutes, on élimine le dernier, donc le 8e. Et toutes les 90 secondes, on élimine une personne. Ce qui fait que les dernières 90 secondes de la qualif, il reste les deux meilleurs qui se battent pour avoir la pole. Voilà. Donc le principe vraiment, c'est que il y a tout le temps des pilotes sur la piste et que, enfin voilà, il y a vraiment il y a plus de dynamisme en fait dans la qualif. Alors le système, il va avoir des avantages et des désavantages. Donc l'avantage, c'est que voilà, il va y avoir du dynamisme. En fait, la qualif, elle va être intéressante dans le but. La qualif va être intéressante tout le temps. Maintenant, c'est peut-être pas sûr que ça marche si bien que ça. Les désavantages, c'est que si un pilote, imaginons, se fasse gêner dans son tour, prenons l'exemple Monaco, qui est le circuit le plus tortueux. Un pilote se fait gêner dans son tour, dans son premier tour rapide. Dans le système actuel, il rentre au stand et il retente sa deuxième chance plus tard. Sur ce système-là, si on est en Q1, il a 7 minutes. C'est-à-dire que, imaginons, il sort tout de suite, il fait un tour, il se fait gêner, faut qu'il laisse passer, il refait un deuxième tour, il a déjà perdu facilement 4 minutes. Ça veut dire que la personne n'a vraiment que un ou deux tours pour faire son chrono, et sinon, il risque très probablement d'être éliminé. Donc, ce système-là risque probablement d'amener à des éliminations surprises en fait. Ce qui va amener un peu de spectacle. Mais ça va probablement pas plaire aux puristes. Ça c'est sûr. Maintenant, alors moi l'idée, je suis plutôt pour. Parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. J'aime pas trop critiquer avant d'avoir vu. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner en Australie. Et on verra ensuite si l'idée est bonne ou s'il faudrait pas modifier 2-3 trucs. Bon. Voilà. Sinon, il y a quoi d'autre? La réunion à Genève, elle a aussi conclu sur deux autres choses. C'est que les arceaux de sécurité, enfin le système de protection de la tête du pilote, a été confirmé pour 2017. Donc il y aura bien une sorte d'arceau qui protégera la tête du pilote. Et
les F1 ne seront pas 5 secondes plus rapides en 2017, mais plutôt 3 secondes plus rapides. En fait, il y avait deux idées qui ont été apparemment débattues pendant cette réunion-là. Une idée qui avait été développée par Red Bull, et donc qui prévoyait que les F1 soient 5 secondes plus rapides en 2017, et une idée qui a été apportée par McLaren, et où là les monoplaces seraient plus rapides de 3 secondes. Et le vote a conclu sur l'idée de McLaren. Donc on aura des voitures qui seront plus larges que les voitures de 2016. Peut-être plus lourde aussi, ça je suis plus certain, hein. Je vous dis. Mais bon, c'est... Voilà, il y a des choses. Maintenant, il faut voir. Il faut voir avant de dire. Oh, un secteur violet. C'est beau ça. C'est très très beau. Bon, par contre, Rosberg il est quatrième. Il y a 9 secondes, j'irai jamais le chercher, c'est chiant, c'est pas grave. Du coup, je sais plus où j'en étais. Je crois que j'ai tout dit. Donc du coup, voilà. Je suis toujours en train de réfléchir en même temps. Alors, un truc. Alors là, ça va rentrer vite dans le technique, donc je vais pas trop en parler parce que j'avoue que je suis pas un spécialiste là-dessus. Mais apparemment, l'ensemble des Formule 1 ont l'air d'être partis pour deux choses. Au niveau du nez de la monoplace, on a l'air d'être parti sur un nez court, mais pas comme le nez de la Mercedes. Si vous regardez le nez de la Mercedes en 2015, il y avait Lotus qui avait copié, enfin qui avait fait une idée comparable, et sinon le nez le plus commun c'était le nez comme Williams ou Red Bull. Il y avait une espèce de petite protubérance qui dépassait. Ça a l'air d'être l'idée qui a suivi le plus de monde, puisque Sauber a dû copier l'idée, Ferrari a pris l'idée, Toro Rosso a cette idée-là aussi. As a plutôt encore le nez long, comme avait Ferrari, mais avec un espèce de bout plus pointu. Et Manor est parti pour un nez tout plat. Un nez tout plat et rectangulaire. Donc à voir, ça fait une espèce de bouche de canard pour la Manor, ça fait particulier, mais bon. Et le deuxième truc, c'est que au niveau de l'arrière des monoplaces, tout ce qui est suspension, tout ça, les monoplaces sont beaucoup affinées. On a des tailles qui sont vraiment des tailles qui sont très fines, et en fait on dirait que tout le monde est un peu parti sur le modèle qu'avait McLaren en 2015, ce qu'ils appelaient le Size Zero, j'ai loupé mon Z, pas grave. En fait, c'était une. C'est ce qui causait aussi les problèmes de fiabilité chez McLaren. C'est qu'en fait, le package était tellement comprimé que le moteur, du coup, n'avait plus la place et surchauffait. Mais apparemment, tout le monde a l'air d'être parti sur cette idée-là aussi. Parce que la Ferrari est beaucoup plus fine, la Red Bull également, la Williams également. Donc. C'était une bonne idée, ce qui veut probablement dire que la McLaren, si elle avait eu un bon moteur, avait sans doute un excellent châssis. Voilà, du coup, c'est le dernier tour. Je vais finir 5e. Hamilton va encore gagner, alors du coup, ça fait chier s'il a déjà gagné en Australie, ça veut dire qu'il aura 50 points. Moi je baille parce que je suis fatigué. Moi, je vais finir 5e, donc ça veut dire que je vais avoir 10 points. Donc ça veut dire que j'ai déjà 40 points de retard sur Hamilton. C'est beaucoup. Beaucoup. Prochain Grand Prix, c'est la Chine. J'aime pas trop la Chine.
Autant dire que je suis pas dans la merde. Hein? Je vais encore pas faire champion. Je vais attendre. Je vais attendre F1 2016, hein, je crois. En espérant réellement que McLaren. Que McLaren. Oh là! Que F1 2016 ait un mode carrière. J'en rêve. J'en rêve. Parce que merde, quoi, c'était bien le mode carrière sur F1 2014. Alors remettez-le. Voilà. Soyez gentils. Remettez-le. Bon. Du coup. Dernière ligne droite. Il est loin, hein, Raikkonen. Ils ont beaucoup ralenti, je trouve, dans le dernier tour, les autres. Alors, je sais pas si c'est parce que la météo a changé et que, limite, les pneus pluie sont pas les bons pneus. Là, vu le temps, faudrait des pneus intermédiaires. Mais bon, ça servait à rien. Peut-être que ça aurait été une bonne stratégie. Peut-être que, oui, que chausser les pneus intermédiaires à l'arrêt au stand aurait été une bonne stratégie. Mais le truc, c'est que il y avait encore beaucoup de pluie. Les pneus intermédiaires, quand il y a trop de pluie, ils évacuent pas assez l'eau, ce qui fait que t'as pas d'adhérence. Je suis pas sûr. Je sais pas. Donc, bon, on a fini 5ème, c'est déjà ça. Vettel a fait second. C'est dégueulasse. Du coup, voilà. Et l'abandon, j'ai vu qu'il y avait un abandon, c'est Massa. C'est con. niveau tour, d'ailleurs, j'étais très lent. J'étais en 1.52. Bottas et Button étaient plus rapides que moi. Et Massa aussi. Donc, 5ème, normalement, j'aurais pas dû finir 5ème. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, je suis 8ème au championnat. Et ben, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à commenter, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur F1 2015. En attendant, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Salut!